Dans quelques heures, le projet de loi asile immigration sera dans l'Assemblée nationale. C'est pour éclairer l'ensemble des parlementaires, comme on a fait d'ailleurs devant le Sénat, pour dire que ce projet de loi, on n'en veut pas. Et on ne demande même pas des amendements, on demande les retraits purs et simples de ce projet de loi, parce que dedans, rien ne va. Ça vise à nous criminaliser et criminaliser les associations et les personnes qui viennent en soutien et en solidarité. Il y a toutes les mesures qui sont des mesures de restriction de droits, des droits, par exemple des allocations, etc., qui vont être encore plus durcies. Il y a toutes les mesures qui ont été proposées dans le texte et durcies par le Sénat pour expulser encore plus les gens. Il y a toutes les mesures qui restreignent les droits de regroupement familial. Et le texte a permis aussi d'ouvrir la porte et de dérouler le tapis rouge à la droite et à l'extrême droite pour que ceux-ci déposent des amendements absolument impensables. Le groupe écologiste, avec ses partenaires de la NUPES, ont présenté une motion de rejet préalable pour bloquer le projet de loi avant discussion. La motion de censure, c'est lorsqu'il y a un 49-3. On a encore eu un il y a peu de temps et on en a un prochain qui arrive normalement d'ici la fin de semaine. C'est quand un certain nombre de députés, plus de 58, déposent une demande de censurer le gouvernement, pas un texte, mais de censurer le gouvernement sur l'utilisation abusive du 49-3, par exemple. On en a eu donc 20 actuellement, motions de censure, qui ont toujours suivi un 49-3. La motion de rejet, c'est différent. C'est qu'un groupe politique qui a la possibilité de dire « Non, nous ne voulons pas de cette loi ». Et il s'est trouvé que tous les groupes politiques de l'opposition, du RN, LR, aux quatre groupes de la NUPES, ont posé une motion de rejet pour dire non, cette loi, on n'en veut pas, on ne veut pas en discuter. Le pari était de rallier les élus de droite et d'extrême droite, dont un grand nombre sont hostiles au projet de loi Darmanin, pour des motivations inverses de celles des parlementaires de la NUPES ou de l'ex-NUPES ou de l'ex-future NUPES. Et là, on peut le dire, pari réussi, mission accomplie. Voici le résultat du scrutin. Votants 548, exprimés 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Les deux semaines de débats parlementaires qui étaient prévues ont été annulées, donc ça repart soit au Sénat, soit en commission mixte paritaire, on va le savoir dans les prochaines heures. Donc le texte était trop d'extrême droite pour la gauche, trop laxiste pour la droite et l'extrême droite, bref, ce n'est pas passé au plus grand bonheur de ceux qui avaient porté cette motion, les écologistes, on les écoute. Avec le rejet du texte immigration, c'est l'échec d'un gouvernement qui depuis des mois passe en force avec des 49-3 méprisant l'Assemblée nationale. C'est l'échec de Gérald Darmanin, un ministre qui n'avait ni vision ni cap. Un ministre qui s'est fait copie des idées d'extrême droite, qui a repris leurs propositions, qui a repris leurs mots. Aujourd'hui, c'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi de venir vivre leur vie en France, qui nous ont fait confiance. C'est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui font vivre chaque jour les principes de solidarité, les principes de fraternité. Les écologistes en ont conscience, le combat continue. Nous, notre proposition, peut-être la première proposition, c'est la régularisation de tous les travailleurs sans papier. C'est aussi la régularisation de tous les parents dont les enfants sont scolarisés. Gérald Darmanin aurait marchandé les voix de la droite pour faire passer son projet de loi immigration. Comment a-t-il été pris la main dans le sac ? On s'est aperçu par une petite erreur du cabinet ministériel du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qu'il y avait des offres de services qui étaient faites à certains députés. On le sait parce que c'est sorti dans la presse. Ils ont confondu les deux Monsieur Brun, un qui est LR et un qui est PS, manque de bol. Et donc, on a appelé le PS en pensant à appeler le LR pour lui dire que c'est bon, s'il votait bien, il avait bien sa gendarmerie ou voilà, quelque chose de ce genre-là. En tout cas, il y avait une offre de service sur la gendarmerie. En creusant un peu, il s'avère qu'il ne serait pas le seul. Beaucoup d'ouvertures de gendarmerie, beaucoup de renforcement d'effectifs de police ou de gendarmerie auprès de députés Les Républicains qui, étrangement, n'ont pas voté le rejet du texte de M. Darmanin. Donc ça,
ça peut s'apparenter de manière assez ferme et sérieuse à l'article 433-1 du code pénal qui punit la corruption. C'est un classique du genre quand on fait de la communication, de la stratégie de communication, vous avez peut-être appris ça à l'école, le jeu qui consiste à faire diversion de la part de la France indigne, c'est pas la France insoumise, c'est la France indigne, il était joué d'avance. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est la raison pour laquelle Gérald Darmanin a porté plainte pour diffamation. T'as pas honte de vendre ton âme à Satan ? Emmanuel Macron, il fonctionne comme si toutes les deux semaines, la mémoire collective s'effaçait et qu'il pouvait de nouveau apparaître comme quelqu'un qui dit quelque chose de nouveau ou quelque chose de novateur. Ce qui est parfaitement faux. Les gens se rappellent et si vous défliez le film, vous voyez bien que c'est toujours des mouvements tactiques, des mouvements où il n'y a pas de... Quel est vraiment son positionnement là-dessus ? Entre ce qu'il fait de manière opportuniste, ce qu'il fait de manière assez dangereuse et ce qu'il pense vraiment, je pense qu'il y a trois mondes. Ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas su se tenir, notamment lors des discussions sur le projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Visiblement, il y a eu une flopée de sanctions qui ont été décernées hier. Madame Braun-Pivet s'inscrit dans une tradition judiciaire et démocratique qui est plus proche du stalinisme que de la démocratie parlementaire telle qu'on la conçoit ici depuis deux siècles. Donc visiblement, beaucoup de collègues, plusieurs collègues ont été sanctionnés pour des propos. Par exemple, quand mon collègue Léo Mans qualifie ce qu'est l'extrême droite, il est sanctionné. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale de Mme Braun-Pivet, on peut tenir des propos orduriers à l'égard des pauvres, à l'égard des jeunes, à l'égard des musulmans, à l'égard des étrangers. On peut se revendiquer d'un héritage de l'OS, aucun problème. En revanche, quand on dénonce cela, quand on tient des propos qui sont des propos finalement très républicains, eh bien on est sanctionné. C'est là aussi une dérive extrêmement grave et un abus de pouvoir qui me paraît très préoccupant. C'est une stratégie politique. Elle est extrêmement cynique, elle est très, quelque part, assez anti-macronienne. Très macronienne, assez anti-parlementaire dans l'esprit. Le Parlement, ça a toujours été le lieu des invectives, de l'excès. Je veux dire, la 3e, 4e République, c'était comme ça. La liberté de parole des députés, elle est garantie par l'article 26 de la Constitution. On a une irresponsabilité sur nos votes et sur ce qu'on dit. Donc, le règlement de l'Assemblée, il est fait pour qu'il y ait une forme de bonne entente, que ça se passe bien dans les débats, mais il n'est pas fait pour faire taire les députés de la République française. Et je ne me tairai pas. Ça y est, la COP28, c'est fini. Cette conférence internationale annuelle qui réunit presque 200 pays pour échanger, voire décider sur des accords autour du changement climatique, a duré deux semaines et a conclu son accord final aujourd'hui, un début de la fin des énergies fossiles. Même s'il y a quelques avancées, on a fini, comme le dit Wolfgang, à accepter la science avec 30 ans de retard, c'est quand même pas une avancée remarquable. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a une urgence. Tout le mouvement d'Extinction Rébellion, dont Scientifique Rébellion est une expression, est basé sur la prise de conscience de l'urgence de la crise climatique et de l'urgence à agir. À la demande de nombreux États de l'Union européenne, dont la France, un alinéa a été ajouté légalisant l'utilisation de logiciels espions dans le cadre d'enquêtes liées à une liste de 32 délits. Le Parlement a demandé à ce que justement le secret des sources soit protégé et qu'il y ait une définition de les intérêts des États qui soit quand même limitée et qui ne soit pas trop permissive. Et le gouvernement fait le contraire de ce que le Parlement lui demande de faire. Cette loi va légaliser l'espionnage des journalistes. Elle va démultiplier les capacités des services de renseignement, des autorités, en leur donnant la possibilité d'utiliser les logiciels espions dans tout un tas de cas. Donc c'est extrêmement grave en fait. Eh bien, dans notre pays, on peut craindre pour la liberté de la presse, de par les faits récents qui se sont intervenus, hein, et notamment, bien sûr, on pense à la garde à vue d'Ariane Lavrieux et pour essayer de débusquer les lanceurs d'alerte. Ça réduit l'espace démocratique d'un coup, ça crée une intimidation générale à l'égard de tous les journalistes et, encore une fois, de celles et ceux qui veulent informer, en fait, qui n'arrivent pas à changer les choses dans leur entreprise, dans leur État, dans leur ministère, et qui utilisent le recours journalistique pour essayer de faire avancer les choses. Et si le 24 décembre, le Père Noël nous déposait une lettre un peu spéciale au pied du sapin? Et pas n'importe quelle lettre, une autorisation de diffusion sur l'ensemble des box internet. Orange, SFR, Bouygues. Ah, c'est beau de rêver. Mais la réalité, c'est que sans vous, pas de magie.
aidez-nous à forcer les opérateurs à respecter le pluralisme et la liberté de la presse. Pour que le média ait sa place entre CNews et BFM TV, soutenez notre campagne de dons de fin d'année et profitez de la défiscalisation sur les dons. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour remettre un peu de magie militante dans ce monde.